Dieu descend dans les temps. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sans vous-même, nous pas capables de faire rien. Sans vous-même, nous pas capables de parler. Sans vous-même, nous pas capables d'agir. Sans vous-même, nous pas capables d'enseigner. Sans vous-même, nous pas capables, alléluia, prier. Sans vous-même, nous pas capables faire rien. C'est vous qui dites nous en parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lumière et paix à chacun de vous, en Jésus-Christ notre Seigneur. Que grâce bon Dieu accompagnez-vous. Que bonheur bon Dieu accompagne vous dans la soirée d'études bibliques ça. Côté nous répondre présent pour nous étudier parole bon Dieu, afin que nous capables grandir dans la connaissance parole là. L'ouvrir cœur pour l'esprit bon Dieu capable de prendre contrôle. L'ouvrir cœur pour l'esprit bon Dieu capable de prendre possession de cinq sens sur vous, afin qu'on capable recevoir esprit d'écoute, esprit d'attention, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, pour qu'on étudie la parole bon Dieu et pour comprendre la parole bon Dieu et pour qu'on applique la parole bon Dieu. Amen. Qu'on contrôle. Qu'on contrôle le réseau pendant qu'on va libérer nous de tout esprit de tiédeur, de tout esprit de trouble, de tout esprit de sommeil, de tout esprit qui part de nature à glorifier, non. Contrôlez nord, sud, est, ouest. Sécurisez-nous, alléluia. Prends contrôle, étude-là, du début à la fin. Esprit du Dieu vivant. Que les sept esprits de l'Éternel accompagnent nous à soi. Au travail, au fait, pour parole ou étudier en toute vérité, et pour que petit ou libéré de toute emprise, pour libérer, pour sortir dans le fait noir, et pour marcher dans la lumière, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui-même qui fait nos grâces, nous capables de retrouver nous en ce premier samedi du 8e mois de l'année, mois de l'amitié avec Dieu, pour nous capables d'étudier parole bon Dieu. Amen. Nous souhaitons nous bienvenue et bonne participation à notre soirée d'études bibliques. Comment semaine nous t'aimons, mes bien-aimés? Bien, 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 bien,
Nous disons, bon Dieu, merci. Que l'été gardé nous, l'été veillé sur nous pendant ce semaine-là. Et la clôture pour nous, avec soirée d'études bibliques, nous, que nous tous répondons présents, avec un esprit bien disposé pour nous capables d'étudier parole, bon Dieu, ensemble. Puisque nous avons une série de lettres qui est extrêmement importante que le Seigneur t'a adressé à l'Église LIA et qui c'est une typologie qui peut permettre, nous, nous-mêmes garder tête nous à travers chaque lettre que nous avons étudiée, lui permettre nous, ouais, l'Église là, je dis, parce que chaque représenté yon l'Église, chaque représenté yon caractère, chaque représenté yon type d'Église. Et na qui série que nous y est? Qui ça n'a pas étudié pour qu'on y a là, bien-aimé? Église de Sardes. Nous allons étudier l'église de Sardes. Très bien. Mais comme nous connaissons, nous toujours on tire rafraîchir mémoire sur le dernier ça que nous t'ai ouais. Et qui dernier lettre que nous t'ai étudié? Thyatire. Très bien. Nous t'ai étudié lettre à l'église de Thyatire. Qui ça nous t'ai dit sur l'église de Thyatire? Ah non, allez rapide. Qui ça nous t'ai dit sur l'église de Thyatire? Ça nous t'ai kembé. Rapidement. C'est une très bonne église, pas vrai? C'est une église qui t'a marché très bien. Non. C'est une église qui t'a fait que bon Dieu content en pile. Non. Ah bon? Non. Oh, c'est pas ça du tout? Non. Mais c'est qui ça qui t'attire? C'est dans l'église d'Aken, ou l'église d'Affliction. Oh, ok, c'est dans l'église d'Affliction. Ok, très bien. Donc, ce sont les églises qui ont marché dans la moralité. Parce que c'est pas ici, ils ont fait un pile belle bagaille dans les yeux de l'Éternel. Non. Immoralité. Donc, qui savait pas belle. Immoralité. Oh, très bien. C'est ton l'église qui était plongée dans l'immoralité. Oui. Mais c'est ton l'église qui était gagnée en lumière solide. C'est ton l'église brillante, pas vrai? Non, c'est ton l'église ténèbre. Oh, c'est ton l'église ténèbre. Mais c'est ton l'église qui était très branché, il était très connecté avec bon Dieu. Il était by Satan d'eau, pas vrai? Il était bon Dieu d'eau. Ah, très bien, c'est ton l'église qui était plongée dans les profondeurs de Satan, pas vrai? Amen. Amen. Très, très bien. Mais c'est ton l'église qui était l'ouvri à tout le monde. Pas vrai? C'est ton l'église qui t'est l'ouvri à tout le monde. C'est ton l'église qui t'est vraiment prêt pour te repentir. Parce que c'est ça. Et pas de ça, bon Dieu, t'es demandé pour te repentir. Oui. Et tu es prêt pour te faire ça, pas vrai? Oui. Mmh? C'est ton l'église qui t'est centré sur eux-mêmes. Ils n'ont pas de prêt pour te repentir. Ils ont déjà plus de problème avec l'éternel. Ils n'ont pas de repentir. Pas vrai? Mm-hmm. C'est ton l'église qui t'a accepté en pile quand il était accepté compromis. Tu t'es tombé dans l'immoralité, hein? Immoralité sexuelle. Il était plongé dans sacrifice perpétuel, offrande continuelle. Donc, tu t'es gagné une fausse prophétesse, la caillou qui t'a pensé. Isabelle. Très bien. Mm-hmm. Très bien. Qui t'a mené, qui t'a fait responsable de l'église, ça y est, fait qui ça? Qui t'a séduit. Impudicité et immoralité. Très bien. Qui t'a fait plonger dans l'immoralité. Pas vrai? Oui. Yes. Mais pour vaincre, pour si là qui t'a arrêté, qui n'a pas participé dans des autres, dans des beaux ça y est, l'Éternel t'a fait une promesse, pas vrai? Ah, l'église de Thyatire, qui ça te promet yo? Tu te promets yo étoile du matin. Hein? Et puis il te promet yo autorité de l'homme sur les nations. Et qui ça te promet yo encore? Autorité sur les nations. Ok. Ce qui veut dire que le vainqueur, la recevoir promesse, le recevoir promesse pour participer à l'enlèvement. Et il a participé là pour le régner avec maître Labarou.
Yes, on verra le fils de l'homme avec puissance. Très, très bien. C'est le ça. Fidèle loyal au Seigneur. Alléluia. Très, très bien. Donc, en gros, c'est ça, mes bien-aimés, que nous t'ai dit sous l'église de... Thyatire. Il est à l'église de Thyatire. Donc, je note, nous sommes certains que vous pas été là, ou pendant été nous pas connecté après étude là, ou méditer ou réviser pour capable ou même mieux pénétrer l'étio. Il est extrêmement important pour vous-même de faire un travail personnel ou méditer sur toute référence, sur tout passage ou même pénétrer pour quitter l'Esprit bon Dieu parler avec vous à travers l'étio. À côté de études n'a fait ou fait personnel ou fait travail personnel pour m'encourager ou m'encourager à faire ça pas arrêter là c'est qu'on sera capable grandir et c'est qu'on sera capable d'arriver à mettre parole là en application donc mes bien-aimés comme ça on a continué je nous t'ai dit avec Seria jodi a nous pral wè une autre lettre que le Seigneur a adressé à une autre l'église. C'est lettre à qui l'église? L'église de Sardes. Lettre à l'église de? Sardes. Lettre à l'église de Sardes. Et pour nous capables d'étudier lettre ça, qui côté n'a besoin ni? Apocalypse 3. Voilà, très bien. Apocalypse 3, sorti dans qui verset? Dans verset 1er pour arriver dans? Verset 6. Pour y venir à qui verset? Verset 6. Verset 6, très bien. Et c'est qui? Et qui est-ce qui voulait faire lecture là pour nous, à la gloire de Dieu? Apocalypse 3, les versets 1 à 6. Amen. Amen. À l'œil de l'église. Amen. Amen. À l'œil de l'église. Amen. Écrit à l'œil de l'église. Écrit à l'œil de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Parole du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Mes bien-aimés, nous connaissons avant de commencer, nous connaissons. Il est important pour nous. Focus sur ça n'a pas fait. Et pour nous éviter toute perturbation, tout ça qui est capable de déranger l'autre monde, nous sommes capables de focus sur ça n'a pas fait. Ce n'est pas un moment pour nous faire l'autre bagaille, c'est un moment pour nous focus sur l'étude parole bon Dieu. Si nous pas le fond bagaille, mettez-nous sous mute, de façon pour ne pas déranger aucun autre monde. Pour nous faire ça dans l'ordre et la discipline. Amen. Amen. Amen.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pourtant, les paroles-là, mes bien-aimés, l'éclairent, pas vrai? Amen. Amen. Nous avons identifié, ça m'a dit non, qui fait structure lettre-là. Nous avons une structure lettre-là pas différent de structure l'autre lettre. Amen. C'est nous, même. Amen. Amen. Il n'est pas différent, pas vrai? Mm-hmm. Nous, c'est même démarche-là. C'est même démarche-là, pas rien qui est différent. Mais, c'est ça pour nous rappeler, nous, le n'a pas gardé lettre ça, yo, je dis à nous, nous avons combien? Je dis à nous qui lettre nous là. Cinquième lettre. Cinquième lettre. Mm-hmm. Ça pour nous rappeler, c'est pour nous songer que toutes lettres, ça, mes bien-aimés, nous disons déjà, yo adressé effectivement à cette l'église d'Asie mineure, mais c'est pas ça seulement que tu as gagné. Et cette lettre, ça, que yo adressé à cette l'église, les représenter l'église universelle de tous les temps. Est-ce que nous avons? Amen. Amen. L'église universelle de tous les temps. C'est ça que nous appelons son typologie. Donc, cette lettre, c'est sept types, son type d'église, chaque son type d'église. Et une des choses qui fait que nous pas capables de fonder, nous pas capables de faire et compréhension de l'être saïo, nous pas capables de chitaïo seulement sous l'histoire et caractéristiques de l'église saïo. Parce que, moi dis, nous sommes typologiques. Oui. Donc, je dis, nous pouvons regarder l'être que l'Éternel a adressé à l'église de Sardes. Tout d'abord, en nous garder qui ça nous entend par Sardes. Les nouvelles Sardes. Sardes. C'est qui ça lié? C'est qui ça? Sardes. Précision que nous pas capable de préciser porter une trop grosse précision sous l'église là. Mais toutefois, nous sommes capables de dire que ville ça, c'est une ville, mes bien-aimés, qui traversait, nous sommes capables de dire, par une petite rivière ça, c'est dans la rivière ça, nous avons été conjoints longtemps, rivière qui était traversée ville ça, nous avons conjoints là-dedans en pile l'eau. Nous avons conjoints dans la rivière ça en pile l'eau. Donc, nous avons tiré les rivières ça, Pactole. Rivière ça a été nom Pactole. Et ça n'a pas là, c'est un bagage qui était fait au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, Sade, c'était capitale roi Crésus pour situer ville ça pour vous. Donc, lien entre deux noms ça yo, son bagage qui légendaire. C'est même gens à l'autre, l'église yo, nous rejoignent, nous retrouvons à Sade en pile même temps ça yo. Païen que était dédié à divinité grecque. Même ça l'autre côté qu'on a fait yo, dans ça nous joignent même bagaille ça, il était des temples qui étaient dédiés à des divinités grecques. Ça veut dire divinités grecques, c'est n'a pas là de faux dieux. Même j'allais était existé dans l'autre ville yo tankou Thyatire, Pergame, Smyrne tout côté ça yo. Et donc même tentation que nous te connaissons, l'autre chrétien, l'autre l'église qui a fait face à eux-mêmes, eh bien, même compromission que te connaissons, qui a fait face avec mon païen, même problème que vous connaissez, qui a gagné, qui était lié à l'idolâtrie, ambiante qui a gagné à l'époque dans le milieu, ça y est,
Même question débauche, plus ou moins couvri, plus ou moins caché ou bien sacré, autour de manger yo, autour de repas qui te qu'on a bail dans temple ça yo à divinité ça yo, eh bien chrétien ça Dieu te fait face à même situation ça. Donc mes bien-aimés, c'est comme ça ville ça, l'église ça, c'est comme ça l'été plongé, l'été fait face à toute situation ça yo. Donc yo, c'était une ville qui était très accroché à agriculture et commerce là tout. Yo était très commercial, yo était quoi dans commerce tout et c'est ça qui était bail qui était enrichi tout royaume que Wazon ta qui était vinn très puissant parmi lesquels est Crésus là et ville ça c'est une nan pi ancienne ville Asie mineure. Sade. Yon nan pi ancienne ville. Mais yon nan fait particulier qui gen rapport avec ça, c'était une ville qui était chargée ak bandi. Si c'est jodi a yo tapre le aux zinglendo. Est-ce que nous entendez ça m'di a? Amen. C'est une ville qui était chargée m'di avec qui ça? Bandi. C'est ça. L'église. Hein, si c'est Kounia, il t'appelle, c'est ça aux Zinglendo. Je vois les lacaïnou. Des bandits, il y a un peu de Zinglendo. Donc, l'église chrétienne de Sade, mes bien-aimés, il y a une bagaille qui est importante pour nous dire, c'est que j'étais en l'église d'abord qui était très active. Après ça, il était venu subir une sorte de éclipse qui est disparaître, qui était comparable à cité à même, parce que ça, il était vécu par Cyrus, parce que il était croit dans Forcio, il n'a pas tellement capable de protéger, il était assiégé, à partir d'une attaque nocturne, il était fait, donc il était venu assiégé, il était tombé. Donc, réputation de richesse et de puissance, eh bien, il était trompeuse. C'est pas qu'un bagage vrai, il n'est pas de chita son gros bagage vrai. Et ça n'était capable de dire c'était un château de cartes, c'était une forteresse qui te gagné un sol, c'était sol là, c'était la boue, c'est pas ton ville qui t'est campé son bagage, c'est en apparence que yo te paraît fort, mais au fond pas de gain rien. Donc qui ça l'église ça, qui ça Sade l'a dit, mes bien-aimés, le restant Sade, l'autre qui n'a que yo vali, église morte. Notez ça, le restant. On a ça veut dire où son restant, où son restant la mort. Ça, c'était une église morte. Est-ce que bon j'attendais samedi à là? Amen. Ça, c'était le restant, c'était une église morte. Pas vrai? Amen. C'est ton l'église morte. Ça veut dire qui ça? Sans la vie. Son l'église pas de gain? La vie. Son l'église qui pas de gain? La vie. Yes. Son l'église qui pas de gain? Vie la donne. C'était une église morte. Et voilà, c'est à l'église ça, le restant, une église morte, et que le Seigneur adresse. Que le Seigneur pral fait un bilan de travail l'église ça. Que le Seigneur pral garder, li pral évaluer l'église ça, li pral garder pour voir qui ça joue la donne. Pas vrai?
Amen. En nous garder. En nous garder qui ça le dit, mes bien-aimés. Il commence l'être là, écrit, Jean, l'église qui est dans la ville Sadla. Dit comme ça, mais ça monde qui gagne sept l'esprit de Dieu, avec sept étoiles, vous voyez dire, moi connais tout ça, ou fait, moi connais tout le monde comprendre ou vivant, mais ou mourir. Amen. 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 Nous capables de dire, bien-aimés, l'église autrefois vivante et qui mourit, en pile dans membre l'église, retournait, y a adoré le Dieu, le retournait, y a fait ça que bon Dieu pas accepté. Même gens à l'autre église, il y a deux trois qui étaient fidèles. Donc, ça qui était fidèle, ils ont fait pour affermir. Ils ont fait pour affermir, pour qu'ils aient dans la foi. Donc, si ils ont été fidèles, ils ont besoin de récompense, pas vrai? Amen. Si ils ont été fidèles, ils ont besoin de récompense. Donc, c'est ça que la parole de Dieu fait nous connaître. Mais, sans capable de l'église de Sade, après l'être à la Odyssée, à l'église de la Odyssée, nous capable de l'être ça, ça qui attire l'attention nous dans l'être ça, mes bien-aimés, c'est une lettre nous t'es capable de qui plus sévère. C'est une lettre nous capable de qui plus sévère. Bien que, même Jean avec l'autre, il finit sous note promettante, il finit sous promesse, il finit sous espérance éternelle. Mais c'est une lettre qui est due, qui est sévère, l'éternel est sévère dans lettre ça. Hein, nous allons regarder. Nous allons regarder, mes bien-aimés. Mais avant toute bagaille, il y a deux faits marquants qui sont importants pour nous signaler dans l'histoire de l'église ou dans l'histoire de Sade. Il y a quelques faits historiques qui sont importants pour nous attirer l'attention sur eux. Il y a deux ou trois faits marquants histoire Sade. Premier, c'est que il y a une bagarre qui est importante, mes bien-aimés. Ils sont villes qui étaient détruites par un tremblement de terre. Première ville là, l'été, première cité là, il était bâti sous un éperon rocheux. Ce qui veut dire que c'est une tête roche. C'était une bonne qui en termes de forteresse, ils étaient capables de son forteresse. C'était un véritable fort. C'était un véritable fort militaire. Sur le plan militaire, il est difficile pour les gens d'arriver à prendre la ville de Sade. Or, ça qui passait, à deux reprises, mes bien-aimés, la ville ça est tombée en bas de main et nous. À deux reprises. Ça est extrêmement important pour nous signaler. D'abord par le roi Cyrus, en 546 avant Jésus-Christ. Ensuite par qui est-ce? Par Alexandre le Grand en 334. Et ça qui vient arriver, mes bien-aimés, il semble que bagay ça vient passer. Chaque fois qu'il arrive, eh bien, c'est toujours dans la même circonstance là. C'est-à-dire, à la suite de une erreur. Et chaque événement, ça reproduit la nuit. Et nous, ils ont arrivé à la faiblesse. Ils ont repéré la faille qui gagne. Et ils ont créé un passage. Ils ont un passage qui menait dans la ville là. Ce qui est que ils ont joué un trou vide.
ville là, yo joine trou vide là, yo joine faiblesse là. Eh bien, yo profiter de faiblesse là, yo profiter de trou vide là et c'est comme ça. Un soldat Saad commet une imprudence. Il commet une imprudence mes bien-aimés. L'al passé, yon côté, les papes de doigts passé. Ou côté que ennemi capable d'entrer là. Eh bien, qui s'est passé? Pour t'al chercher, pour t'al prendre une âme que l'on perdu, il créé un espace que le pape de doigt ça. Ça, ça, on trouve vide. Donc, histoire ça. Tout le monde te connaît dans la région. Il faut connaître que tout le monde est au courant de l'histoire. Ça. Tout habitant te connaît. Donc, ça, c'était un côté, il était gardé. C'est une ville qui était une réputation, qui était une réputation très bien gardée, très bien protégée. Donc, il vient dire, l'histoire, ça ne connaît pas. Tout le monde connaît que c'est une ville qui est tombée en bas, mais il n'y a pas qui ça, pas à cause de un manque de vigilance à cause de imprudence soldat yo. Voilà que ça a quitté une ville mais bien aimé réputé pour richesse ni moins donc il était quoi il était dans agriculture c'est à cause de rivière ça qui est ce pactole là il était très réputé pour richesse il était riche jusqu'à ce que tremblement de terre la ville fini avec eux en l'an 17. On sait ce qui était très violent et qui était resté longtemps dans la mémoire habitant Saad. Mais ça fait, lorsque l'apôtre Jean vient écrire lettre ça, ça vient arriver, mes bien-aimés, à l'église de Saad, eh bien, ville ça, lorsque lettre ça écrit, eh bien, c'était une ville qui était reconstruite. C'était capable de c'était une deuxième cité qui était bâtie. Donc, l'initiale première cité qui était existée, à tremblement de terre, écrasé, t'es détruit. Donc, c'est Tibère. Puis ça, le moment que apôtre Paul, apôtre Jean a écrit l'être ça, eh bien, c'est une ville que était reconstruite. Parce que tremblement de terre, t'es détruit première ville là. Est-ce que nous avons? Amen. C'est Tibère qui vient construire l'autre ville ça. Et c'est Tibère qui vient monter, Tibère vient construire un temple. C'est monsieur qui vient construire un temple. Donc là, nous, tout le monde, on se souvient donc probablement de toute histoire ça. Et tout le monde songe yo. Et ça, Dieu te connaît que, qui te gagne image qui te répété. Qui était une image d'une ville qui était paraît riche, une ville qui était très forte, une ville qui était imprenable, mais qui, par la suite, vient révéler, mes bien-aimés, en réalité, une ville pauvre et une ville qui est vulnérable. On va continuer avec, non? C'est notre contexte, ça. C'est notre contexte, ça, mes bien-aimés, que l'église ça va fonctionner et c'est dans le contexte ça mes bien-aimés que l'Éternel va adresser à l'église ça et c'est sans doute dans même contexte ça on va jouer un message ça que Jésus-Christ va adresser à l'église ça même j'en ai adressé à toute l'autre église yo à six autres et bien il va dire il va parler de sept étoiles qu'il tient dans sa main sur lesquels il règne en tant que Seigneur. Donc, qui j'ai commencé? Qui j'ai commencé l'être à mes bien-aimés? Qui j'ai commencé l'être là? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. À l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les faits d'esprit de Dieu. Arrêtez là. Ok. Qui ça le dit? Mais ça, mon qui dit qui ça? Le sept esprit de Dieu. Il y a sept esprits de bien. Dieu. Mon qui dit sept l'esprit de bon Dieu. Yo. Ok. Un,
soulignez ça, les sept esprits, soulignez-le. Ok? Et, qui ça vient encore? Les sept et? Sept étoiles. Sept étoiles. Sept étoiles. Yes, sept esprits et les sept étoiles. Pas vrai? Amen. Nous voyons qui j'en ai présenté là. Hein? Donc, Jésus, inspiré là, par qui ça? Il est inspiré par les sept esprits. C'est ça qui fait qui ça? Ça qui c'est une sorte de évocation de l'Esprit de Dieu dans sa perfection. Alléluia. Dans sa perfection. Vous entendez bien, mes bien-aimés? Écrit à l'ange de l'Église, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Pas vrai? Mm-hmm. Même Jean avec toute l'Église, l'Éternel, les fait évaluation, les fait bilan, les fait constat. Et qui est-ce qui est capable de dire avant que nous entrions d'emblée? Non. Texte là. Donc on a des matchs là, il faut que nous, d'abord, gardons des plans, gardons des bilans avec chaque point, éloge, qui ça lui reprocher. Et qui ça que lire, s'il gagne éloge, s'il gagne éloge, qui j'en lis, qui ça le dit, et s'il gagne reproche, qui ça le dit comme reproche? Je veux dire, les on a les, premièrement, qui est-ce qui est capable d'identifier pour moi quatre points qui concernaient l'église de Sardes? Il y a quatre points dans le texte là. Il y a quatre points importants que le Seigneur identifiait. Un, deux, trois, quatre. Quatre points. En aller. Je connais tes œuvres. Je très bien. Passe pour des... Va aller vite comme ça. Va aller vite comme ça. Je connais qui ça? Tes œuvres. Je connais tes œuvres. En aller. C'est qui ça lié? Est-ce que c'est un point ou bien c'est pas un point? Ça nous dit. C'est un point. Très bien. Premier point. Œuvres. Premier point, œuvres. Souligner œuvres. Continuez. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça est toujours premier point. Après ça, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. M'attendez-nous. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Allez, non, m'attendez-nous un point. Moi, parler, oui, m'dou, et sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ok, ça c'est un point pour vous? Oui ou non? Et, oui, ça c'est un point. Ok, m'attendez-nous. Allez, tout pour net. Continuez. Continuez. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Ok. Son point?
Il y a un point de reproche. Ok, très bien. Continuez. Bon, quatrième, non? Trois points. Quatrième, non? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Repens-toi, c'est le quatrième. Ok. Ok. En allez. Tout le monde d'accord? Amen. 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 Tout le monde d'accord, on allait. Pas vrai? Amen, amen, amen. Premier point, on allait nous œuvre, pas vrai? Œuvre. Œuvre. Deuxième point. Deuxième point. Je sais que. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es. Tu es mort. Tu es mort. Deuxième point. Troisième point. Vous n'avez pas parfait. Très bien. Tu n'as pas de vœux par, tu n'as pas de vœux parfaits. Yeah. Mm-hmm. Et quatrième point, rappelle-toi donc, comme tu as reçu et entendu ta parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Ça veut dire qui ça? Il y a quelques hommes qui sont purs, tu as quelques hommes purs. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Pas vrai? Yes. Non, nous pas là, non? Amen, amen. Amen. Ok. Pardon? Quatre points, il faut me dire quatre points. Premier œuvre. Deuxième, tu passes pour être vivant, tu es mort. Troisième, tu n'as pas de vœux parfaits. Quatrième, tu as quelques hommes purs. Ou bien quelqu'un qui est bon ami temps toujours. Mm-hmm. Ok? Parce que, attendez bien ça le dit. Attendez bien ça le dit. Il dit, changez. Changez ça, il te montre là. Changez les gens où tu recevras. Obéis pour les vivre de mon Dieu. Ok? Mm. Obéis pour les vivre de mon Dieu. Mm-hmm. Si ou pas suspendre mi, ma vini sou, tant qu'on vole, sans ou pas attendre. Mm-hmm. Si ou pas suspendre mi. Est-ce que nous avons? Amen. 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 N'a continué. Donc, j'en ai de la mes bien-aimés, c'est le même format. Nous avons ce même schéma, les grands destinataires, il y a une description de Jésus, et un verdict, un bilan, une évaluation qui est faite, et il y a une exhortation, une promesse et une exhortation. Songez schéma ça, songez démarche ça. Et bien, démarche ça, il est valable pour toute lettre. C'est la même structure, là, c'est le même format que le Seigneur et Kimbe. Même format. Destinataire, description qui nous nie, monde qui veut être là, l'identifier, l'y présenter, et nous toujours dit, présentation que expéditeur a fait, l'y toujours fait en fonction de qui ça? En fonction de zone, non? Très bien. En fonction de réalité que zone, non, qu'on est. Les décrire, les présenter en fonction de réalité ville là. Mm-hmm. Ok?
pas oublier là, nous prenons le puis devant. Pas oublier nous dire que, vu ça, l'église ça, nous pas connaît. Il y a pas bonne autre précision sur qui est-ce qui était établi, mais il y a un pile commentateur qui fait comprendre que c'est compagnon quelque monsieur non compagnon Paul Yo qui était monté l'église ça. OK. L'église ça mes bien-aimés, Jésus présentait le comme étant qui est celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et voilà que c'est Sila qui veut faire évaluation. Sila qui gagne sept l'esprit. Et Sila qui gagne qui ça? Qui gagne sept et sept esprits et sept étoiles. Va vrai? Amen. Et non même quatre points ça, mes bien-aimés. Nous sommes là. Dans même quatre points, il y a sept commandements qui passent là d'ailleurs. Est-ce que nous songez étude qui était faite sur commandement yo? N'oubliez, tu t'as fait longtemps. Il y a des mots de binouté, voyez, t'as fait qu'on est qui ça y est. Il y a des mots de binouté, voyez, t'as fait qu'on est qui le nous gain affaire à un commandement, qui le que nous gain affaire, hein? Qui le commandement, qui le pas commandement. Nan texte là, nous avons affaire là à cinq commandements que a passé l'église de Sardes. On y rappelle trois. Pardon? Premier commandement, c'est sois vigilant. Premier commandement, c'est sois vigilant. Sois vigilant. Très bien. Premier commandement, mes bien-aimés, c'est sois vigilant. Sois vigilant. Sois vigilant. Premier commandement. Mettez-le, notez-le. Premier commandement, sois vigilant. Pas oublier de douter pour vous. Soyez ces phoques. Son commandement. Tout côté où ça y est, c'est le commandement que vous avez. Sois vigilant, c'est phoques ou veillez. Ouvrez, sois vigilant. Deuxième commandement. Continuez. Affermi. Très bien. Affermi le rêve. Très bien. Deuxième commandement, affermi. C'est même soi toujours qui passait pour affermi. C'est soit vigilance, affermi, soit affermi. Donc, c'est au faut aucun bérecio, faut au soutenir, affermi le reste qui est prêt de mourir. Qui est-ce qui était qui prêt pour mourir pour bon Dieu, qui prêt pour mourir pour vérité, affermi. Deuxième commandement. Sois vigilant, affermi. Troisième commandement, c'est qui s'allie? Rappelle-toi. Très bien. Rappelle-toi. Ça veut dire, songez, enseignement que tu recevras. Gros vérité que tu baou. Songez vérité ça. Même les demi les prendre. Mais songez vérité ça que vous êtes bas. Soyez enseignement ça que vous êtes là. Quatrième commandement. Garde. Très bien. Garde-la. Garde-la, vérité que tu recevoir. Kimbel. Et cinquième commandement, c'est qui s'allie? Repends-toi. Repends-toi. Très bien. Mais mes bien-aimés. Le 4, est-ce que nous notons? Le 4 points qui concernent l'église Sardes, nous jouons 4 points. Et en deux 4 points, nous jouons 5 commandements que l'être là
passer l'église là. Est-ce que nous là? Amen. Le Seigneur. Donc, ça pour nous là, mes bien-aimés, c'est que différence, nous, par contre, si nous guettons fond bagay là, nous guettons, par contre, si nous guettons, ouais ça, gros bagay qui t'a supposé attirer attention nous par rapport à quatre autres lettres. Hein? Gros différence qui pour attirer attention nous là, par rapport à l'autre lettre. Pablo que nous te dit c'est une lettre côté comparativement à l'autre lettre l'Éternel très sévère dans lettre ça. Il y a une bagarre qui pourrait attirer attention là c'est que contrairement à l'autre lettre nous pas tellement joindre dans lettre ça encouragement. Nous pas même non. Donc, tableau lettre ça, son tableau qui est très sombre. Mais l'encourager les gens qui marchent droit, qui ont des vêtements blancs. Oui. Oui, les très peu d'encouragement. C'est vrai, les gens ont tiresse, gros tiresse, tiresse ça, c'est vrai. Le seul encouragement, c'est vrai, son dia, son tical, son tires, son ti, c'est son capable de yon ti minorité zuit. Le seul encouragement, c'est que yon ti minorité zuit, hein. Et dans l'église, ça, c'est que les jeunes, quelques monde, vraiment, quelques monde, qui passent sale vêtement blanc, qui passent sale vêtement yo, qui pas patauger dans saleté yo. Donc ça qui fait nous comprendre, ça qui laisse nous penser que presque tout le qui yo t'a patogé dans saleté. Donc qui crasse ça, qui graine ça yo que t'es gagné, yo pas tant pile. Amen. Donc et même si mes bien-aimés, ça pour nous comprendre clair et même si cette fois-ci, dans l'église Sade là, il n'y a pas fait aucune allusion, regardez bien, oui. L'Éternel pas fait aucune allusion à qui ça, à enseignement, à aucun enseignement mauvais. Il n'y a pas fait allusion à aucun faux enseignement. Non. Soit à de type Balaam, ou bien Nicolaïte, ou bien de type de Jézabel. Donc, il n'a pas fait aucune allusion à aucun faux prophète, il n'a pas fait allusion à aucune fausse prophétesse, il n'a pas fait allusion à aucune mauvaise reine. Aucun manger d'idole. Il n'a pas fait allusion à aucun exactement repas sacrifié, hein, repas viennent sacrifier aux idoles, il n'a pas fait ça, mais pendant que il n'a pas fait allusion à tout bagage ça, voilà que Zakio pas parfait aux yeux de Dieu. Donc si nous voulons comprendre, c'est pas ça seulement qui va faire mon Dieu plaisir. Aïe aïe aïe. Amen. Ah, nous pas avec. Très bien, mais c'est pas ça seulement qui pas agréable dans yeux de Dieu. Donc, voilà un bagage qui tout neuf là qui vient entrer dans jouet là. Donc, ce symbole maintenant de la saleté que vous jouez dans l'église de Sade là. Symbole de saleté ça. C'est une image, mes bien-aimés, c'est une image de compromis avec le mal. C'est une autre forme de compromis avec le monde païen, ce symbole que lié.
Même là, alors l'église, cette fois-ci, l'Éternel utilisait vêtements sales. Mais c'est une image que lui, son symbole, mes bien-aimés, son image de compromis que lui est tout avec mal, son image de compromis avec mon païen, son image de compromis, même Jean, l'église te la donne. Mais encore une fois, ça pour nous comprendre, c'est que la grande différence qui gagne entre l'église de Sad et l'autre l'église, c'est que faiblesse pas là. Faiblesse par là, qu'on paraît ou pas well. Faiblesse par là, ou pas well à l'œil nu. Bien français à Tabdou, cette faiblesse ne se voit pas au premier coup d'œil. C'est ça, bien français à Tabdou. C'est caché. C'est caché. Très bien. Et c'est ça, mes bien-aimés. C'est reproche ça. Ce reproche bien précis, ça, eh bien, que le Seigneur a dressé à l'Église, ça. Et ça que fait dit dès le commencement, au passé pour vivre, mais sans l'Église, mourir, alléluia. Ma compte, souhait, ça qu'a parlé là, non? Amen. Non, mais, au pas où vous paquet l'Église là, je dis, là. Qui m'a impressionné, il a servi mon Dieu. L'église mourue. Ah, mais en réalité, c'est une bonne l'église mourue, oui. C'est en apparence, oui, où est-ce qu'il y a des gens. C'est en apparence, où il n'y a pas d'eau, il y a pas d'eau. Belle activité. Belle activité, l'aime de ça. L'église la foule, programme sous programme. Mais en réalité, c'est une église morte. En réalité, son l'église qui mourit. Ou pas de ça, ou pas de ça, ou pas de ça, bon Dieu dit là. Jésus qui dit là, ou pas de ça, dit. Lui présente, lui écrit là, lui dit ou pas de mais ça, monde qui a cet esprit, bon Dieu, avec cette étoile, il aurait dit, moi connais tout ça, ou fait. Moi connais tout le monde. Comprendre ou vivant, mais ou mourir. Vous entendez? Tout le monde comprend ou vivant, mais ou mourir. Oui. Je ne sais pas si nous avons nous là. Amen. Est-ce que ou pas remarqué là? C'est une situation ça nous aujourd'hui là, à l'échelle de la planète. Nous pas remarqué jodi a là c'est ambiance l'église de ça doit vivre là ou pas remarqué gon paquet l'église ou pas remarqué gon paquet l'église là jodi a là à l'échelle mondiale qui paraît comme des églises vivantes mais c'est des églises mortes que oui. Parce que même nous même dou jodi a là gon équipe bagay qui a passé là ou gon équipe bagay mon a fait sur internet. Ou bien toute l'autre forme de paganisme. Yo. Et c'est ça qui est important pour nous, pour le nous étudier l'être ça là, pour nous étudier avec attention. Parce que l'être ça est tellement important pour la réalité que nous vivons aujourd'hui, mes bien-aimés. Pour ça, nous vivons aujourd'hui, l'être ça est tellement important pour nous comprendre nos bonnes bagailles. Aujourd'hui, vous regardez là. C'est ça qui fait, Weldo, au comprendre nous vivants. Nous, tout le monde est enseignement Balaam, tout le monde est enseignement Nicolaïte, tout le monde est enseignement Jézabel Tabay, tout le monde est enseignement Zahoté Faux, tout le monde est idolâtrio. Mais à l'église de Sardes, mes bien-aimés, je dis à l'autre forme de paganisme. Que ou pas ouais à l'œil nu. Et c'est ça qu'a fait, je dis à l'église. Une équipe de forme de paganisme qui a été dans l'église, là, mes bien-aimés. Une équipe de forme de débauche qui a fonctionné dans l'église, là. À l'œil nu ou pas, ouais, yo. Et puis c'est ça, pas derrière. Pas en bas. Mais c'est yo qui a fait. Mais à l'œil nu, l'on paraît devant et puis c'est belle bagaille. L'on paraît pour ces belles bagailles.
et puis toute saleté ou couvri en bas de là. Toute saleté ou couvri. Ou est-ce bel drap blanc, et puis pendant ce temps en bas de là, toute fatra ou en bas de là. Son drap blanc qui ouvre son pile fatra. Son drap blanc qui ouvre son pile fatra. C'est levé pour ta levé drap blanc et pour ta pour tomber deux pieds longs. Pour saleté, pour tete ou ta wè en bas de la blanc ça. Et puis ou a pompé ya, ou a volé, ou a pas doré ya, et puis ou a pas doré son fatra. Je dis à chargé l'autre forme de paganisme. Mais tout le monde wè, c'est statue. Tout le monde wè. Tout le monde ouais c'est statue, tout le monde ouais débauche, c'est informa comme garçon. Mais bonne lotte qui est cap fait, je fais mes souyo. Mais tout le monde faut qu'il souffre comme garçon. Tout le monde focus sur ça yo. Moun avec des madame, trois madame, fille avec quatre mari, deux mari, cinq mari, six mari. Cap côté. Amen. Mais chargez l'autre tétin, mes bien-aimés. Chargez l'autre forme de paganisme qui est entré dans l'église là. Donc c'est ça. Tout le monde comprend nous vivants, mais on mourit. On mourit. Donc voilà que, nous tous, mes bien-aimés, c'est même schéma. Donc, reprends ça qui est adressé à l'église. De ça de là, écoutez l'Éternel dit, ou passez pour vivant, tout le monde comprend ou vivant, mais qui soyez en réalité. En réalité, c'est qui ça? En réalité, ou sont où? Ou mourir. En réalité, ou mourir. Ou sont pourris. Ou mourir. Ou mourir. Ou mourir. Donc, eh bien, mes bien-aimés, c'est à l'église ça que le Seigneur adresse. Donc ça veut dire qui ça? Le Seigneur adresse à nous. Le Seigneur adresse à nous-mêmes tout. À travers cette lettre à l'église de Sardes, eh bien c'est à nous l'Éternel a parlé là aujourd'hui à tout. Donc c'est dans ça, ça que n'a pas l'eau de lorsque l'Éternel a fait évaluation ça, n'a étudié lettre ça yo. Il ça vient inviter nous, ça vient aider nous-mêmes tout à garder tête nous aujourd'hui, nous-mêmes tout à garder l'église nous aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui. Donc, le appétit de ça aujourd'hui là, il peut le faire, est-ce que nous-mêmes, ou sont cadavres ou bien ou sont vivants? Qui côtoyer? Qui côtoyer? Il faut regarder ça, par où ça? Qui côtoyer? Est-ce que vous avez dormi? Est-ce que j'ai éclairé? Est-ce que vous vigilant? Parce que mon point est là, mon commandement est là. Vous pouvez regarder dans le commandement, vous pouvez regarder dans le point. Voilà que il dit, cet esprit, ça, mes bien-aimés. Il dit, mon qui est cet esprit. Ça attire l'attention, oui, là. Ça va attirer attention nous. Ça attire attention nous là. Ça attire attention nous. Il se présente comme qui monde, comme étant celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Ça veut dire pour nous aujourd'hui. Et qui ça vient enseigner nous là? Qui ça enseigne nous aujourd'hui à là sur le fait que Jésus gagne les sept esprits de Dieu et les sept étoiles? Qu'est-ce qu'il veut lire pour moi, Ésaïe chapitre 11, le verset 12? Ésaïe. Chapitre 11, verset 2. Ésaïe 11, 2. Amen. Amen.
l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Parole la clé, mes bien-aimés, pas vrai? Amen. L'Esprit bon Dieu a pral descendre sous lit. La bali bon comprendre avec l'Esprit. La bali connaissance. L'adresse. La fèl kon Seigneur. La fèl gen craintif pour lui. So, voilà. Là, nous retournons dans Apocalypse là. Chapitre 3, verset 1 qui ça dit. Voici ce que dit celui qui allait, cet esprit. Hein? L'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait combien? 7. 7. L'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire le Saint-Esprit où découle côté toute l'autre absentia, selon Matthieu, très bien, ça fait 7, Matthieu 3, 16, Jean 3, 34, Isaïe 61, Actes 10, 38. Donc, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. L'Esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait 7. Yes. Donc, là, l'Ivine, nous venons révéler comme le Seigneur qui tue et qui procure la vie. Celui qui, les sept esprits de Dieu, mes bien-aimés, lui représente qui ça? Les sept esprits de Dieu, oui, la perfection. Et c'est-à-dire que la plénitude de l'esprit, le Saint-Esprit, qui est capable de rebâiller la vie à une église qui mourit. Bah, continuons avec nous, non? Complétion, also. Yes. Lui est capable de bâiller la vie à un monde qui mourit. Mm-hmm. Et c'est l'esprit, ça. Attendez bien. Qui a les sept esprits et les sept étoiles? Sept esprits, ça a brûlé sur les sept chandeliers. Yes, sept pasteurs. Sur les sept chandeliers, sept lumières. Sept églises. Sept églises, exactement. Donc, l'esprit de Dieu, ça veut dire que l'esprit de Dieu bâille à cette l'église yo capacité pour y briller comme lumière dans un monde fait noir, dans un monde incrédule. Le Seigneur accomplit le travail ça, mes bien-aimés, à l'aide de qui est-ce? Il accomplit le travail ça au moyen de cette étoile. Yes, au moins de sept étoiles. Oh. Au moins de sept étoiles, ça y a quelqu'un qui est nommé là. Yeah. Amen. Sept étoiles, ça y a qui est ce qui c'est? Ça, sept étoiles, ça y a. Yes, l'ange de l'église. Que lui qui est nommé droite lui. Et qui c'est qui? C'est pas l'autre monde que y a, c'est des messagers qui sont autorité Christ là. C'est ça qui fait loi battre l'estomac ou dit l'église moins.
C'est parce qu'on pas comme parole là. Pour ta connaître, ou pas propriétaire, ou pas aucun pouvoir sous l'assemblée ça ou bien là. Son job yon bon fait job ou jour de fait. Parce que vous qui avez autorité pour diriger là, l'y est qui est? Okay. L'y est qui moun? Qui est le bien aimé? Yes. C'est lui-même qui a autorité, c'est lui-même qui chef, c'est lui-même qui tête. Donc, le Seigneur a accordé à l'Église l'IA tout ça que lui a besoin pour la foi, pour la ville. Par qui ça? Par le service de ses messagers. Et c'est peut-être ça qu'il dit dans Ephésiens 4 là. Eh bien, mais qui moun li bay? Et pour qui ça li bay moun sa yo? Li bay yo pour ça? Pour qui ça? Pour le perfectionnement des li bay apôtres, li bay prophètes, li bay évangélistes, li bay pasteurs, li bay docteurs. Li bay moun sa yo et li dit pour qui ça li bay moun sa yo? C'est pour le perfectionnement des donc, lui confier à moun sa yo yon responsabilité. Une responsabilité que le pas bay tout moun. Lui confier à moun sa yo yon responsabilité pour faire se yo atteindre la perfection. Pour faire se yo, pour préparer se yo, pour recevoir, pour yon capable de arriver préparé pour être capable de river bon côté bien structuré. Est-ce que nous là? Amen. Au moins 1 Samuel 2 le verset 6. 1 Samuel 2 6. Nous avons la description de Jésus là, bien-aimés, songez format. Amen. Amen. 1 Samuel 2, 6, Samuel. Qui ça le dit? 1 Samuel 2, verset 6. Amen. Amen. L'Éternel fait mourir. Amen. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il en a fait remonter. Amen. Amen. Seigneur a touillé. Le fini li bay la vie encore. Li fè moun desann nan peyi kote moyo ye a, li mène yo tounen encore. Alléluia. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui gen pouvoir ça bien-aimé? Jésus. Est-ce que nous konnen l'autre moun ki gen pouvoir ça? Non. Seigneur a touillé. Le fini li bay la vie encore. Donc qui j'ai présenté à l'église de Sab? Bon. Qui j'ai présenté à l'église de Sade? Il faut qu'on appelle comme. Comme le Saint-Esprit. Celui qui a de l'autorité. L'homme, celui qui a de l'autorité. Et... Ça veut dire. Ça veut dire. Celui qui a le Saint-Esprit, ça veut dire. Avec lui même qui est au-dessus de toute bagarre et tout fort. Si là qui a pouvoir pour bailler la vie et pour la vie. Si là qui a pouvoir pour bailler tout ça qui mourit vie. Mm-hmm. L'église de ça qui est l'église que lui est. Ou l'église morte. Pas vrai? Son l'église morte. Et parce que son l'église morte, et moi donc chaque fois que le Seigneur décrit, lui présente là où l'église, description, lui fait de l'IA, présentation qu'elle fait de l'IA, il y a un rapport à qui ça? Il y a un rapport avec l'État, la ville là. Yes, très bien. Il y a un rapport à la réalité ville là.
réalité de la ville. Puisque ça, c'était qui réalité? Ça, c'était où? L'église morte. Ou l'église morte. Et voilà que Jésus présentait-le comme qui est-ce? Comme s'il a qui? Il a la vie. Yes. Comme s'il a qui a pouvoir pour bailler la vie. Donc c'est ça, mes bien-aimés. Donc, ça veut dire nous comprendre. Description ça qui fait de Jésus, lui annonce clairement, ça pour nous comprendre, lui annonce clairement à l'Église que puissance qui permet l'Église là pour jouer rôle témoin, pour jouer rôle témoin vivant dans le monde là. Car nous avons regardé chaque l'Église que nous avons regardé là, yo. Yo gen yon rôle y a joué dans le monde là. Yo c'est témoin vivant. Yo c'est témoin vivant. Et le où est Jésus qui vient paraître, lui annoncer le comme ça, lui décrit comme ça à l'église là. Et bien c'est ça lui vient annoncer que l'église ça puissance qui permet que l'église ça joue rôle témoin. Témoin vivant dans le monde ça, li pas vini en bas, li pas sorti en bas terre, li pas sorti kayougan, li sorti de yon socio naturel. Et ça fait là ouvre l'église, la rentre dans un fort, la rentre dans kayougan, al prend point pour l'église li ka marcher. Il pas connait ça l'a faire. Bon comme c'est pas un monde qui relait tout son roulibé, son raqueteur, son mercenaire spirituel, il finit comme il y a là, il vient entrer dans business, yo dit le gros business là. Donc il vient entrer dans business l'église. C'est ça qui fait l'obligé à caire gars pour la prendre pour l'église qui a marché. Là mettait petit mouchoir rouge, là mettait poule mouri en bâché pour aller monde, là mettait zombie dans porte pour aller monde. Lorsque Jésus annonçait, notre lui dit à l'église de Sardes, mais qui m'ont nié? Celui qui a les sept esprits de Dieu, alléluia. Celui qui a les sept étoiles, eh bien lui-même, lui vient pour connaître que c'est de lui, c'est lui qui source surnaturel. Donc, puissance que l'église a gagné pour jouer le témoin ça dans le monde, perdre ça, et bien, il sortit en haut. Ou pas besoin de prendre aucun point pour l'église ou marcher. Donc, l'église n'a pas qu'à marcher, et pas monde pour blâmer. Et pas sous de monde pour mettre. Amen. Et pas sous de fidèles qui a fait le groupe. Non, ou gros problème. À chercher combien qui sont gâtés l'éternel. Parce que celui qui a les sept esprits de l'éternel, les sept esprits de Dieu, et bien c'est lui-même, il annonce c'est lui qui est capable, et il a le pouvoir ça. Donc l'église, mes bien-aimés, aujourd'hui, qui a joué au Timos, regardez ça le dit. Vous, qui ça le dit dans l'acte? Qui ça le dit dans l'acte, mes bien-aimés? Vous recevrez qui ça? Acte premier. Le puits? Une puissance. C'est une puissance surnaturelle. Donc, puissance surnaturelle, ça, il n'est pas qu'à sortir en bas. Puissance surnaturelle, ça n'est pas qu'à sortir quand il y a un grand. Puissance surnaturelle, ça n'est pas qu'à sortir quand il y a un bobo. Il n'est pas qu'à sortir une petite poule noire. L'église n'est pas capable de gagner badji, il n'est pas capable de gagner petit poupé la donne. Qui ça nous fait là? Cette description de Jésus annonce donc à l'église que la puissance qui permet à l'église d'être témoin vivant dans le monde provient d'une source surnaturelle. Ça fait. Message là, il est tout à fait clair, mes bien-aimés. Mm-hmm. L'être ça que le Seigneur veut, bah, l'église de Sardes,
est tout à fait approprié pour l'église que nous avons là. L'église ça qui a ça là, eh bien, qui l'église qui pi mouri, l'église qui pi mouri dans toute l'église yo. L'église qui tout mouri. C'est l'éthargie. Ou pas ou équipe l'église qui travaille aujourd'hui là, ou pas l'entrée de l'église à l'église, c'est l'église qui tout mouri. L'église a pas de vie la dame bien aimé, son paquet de l'église sade. C'est pas sade non. Pour te quand même retirer elle dit son équipe l'église sade. L'église la fade. L'église la blême. L'église a pas de vie. Tout le monde regarde le visage tout le monde. Ou elle en mort sous figure tout le monde. Quel même est premier ambiance de mort qui existe dans l'église là, ou regarder visage tout le monde qui entre dans l'église là, il y a des visages de mort. De mort. Spirituellement, ou pas de vie, ou tout le monde semble des morts. Et il y a une raison qui fait que l'on fait face à l'église là, c'est une église qui a besoin de plénitude. Donc c'est l'église qui a besoin de la plénitude de l'esprit. Et c'est ça que fait l'Éternel Jésus-Christ vient présenter là comme celui qui a les sept esprits. C'est seule la plénitude qui est capable de ressusciter, parce que c'est la plénitude de l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la plénitude de l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et c'est lui-même qui est puissant pour rebâiller vie à tout ça qui mourit. Par contre, c'est pas bon Dieu avec moi là. Amen, 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 amen. Amen. C'est cet esprit ça yo qui gagne capacité, qui gagne pouvoir pour rebâiller la vie à tout ça qui mourit, y compris l'église là. Amen. Amen, amen, donc c'est amen. Ça qu'il vient présenter à l'église de Sardes comme celui qui a les sept esprits. Parce que puisque c'est l'église qui mourit, donc c'est l'église qui besoin de ressusciter, c'est l'église qui besoin de la vie. Je dis à mes bien-aimés, l'on va garder dehors, mon paquet de Sardes dehors, mon paquet de l'église Sardes dehors, mon paquet de l'église qui n'a une léthargie. Le paquet d'église qui tout mourit, qui besoin la vie, qui besoin la vie. Amen. Et lorsque Jésus-Christ fait me présenter comme ça, à l'église de Sardes, mes bien-aimés, comme qui ça, comme celui qui a les sept esprits. Et les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Donc, après la présentation, eh bien, qui ça t'a venu? Verdict là pas venu. Pas oublier moi d'où. Évaluation pas venu. Le vin présenté. Qu'on a voulu évaluer le travail l'église là. Faut le bailler l'église à verdict lui. Faut le bailler l'église à résultat évaluation. Faut le bailler l'église là qui j'en ouais. Faut le dire l'église à qui j'en ouais. Qui ça le dit? À nous garder qui ça le dit? Le film présente qui ça le dit? Il dit je sais. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alléluia. Voilà. Et continue. Il dit, sois vigilant. Et affermi le reste qui est prêt de mourir. Bah oui. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verdict a tombé là. Et puis ils disent toujours, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu,
et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Alléluia. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Alléluia. Merci, Seigneur. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Je connais tes œuvres. Tu as dit que tu as commencé, mes bien-aimés. Nous songez ces mêmes paroles, ça a été dit pour l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2. Nous songez, il était dit, chrétien Éphésio, je connais tes œuvres. Yes. Voilà qu'il est retourné avec les mêmes paroles, ça. Je connais tes œuvres. Même bagaille. Et lorsque les fins disent, me connais, ça nous fait. Les dit, me connais, ça va faire. Me connais tout ça va faire. L'Éternel connaît tout ça, chaque grain nous a fait là. Amen. L'Éternel connaît ça, chaque l'Église a fait. Les comptes qui activité qui est en dans chaque l'Église. Les comptes tout ça que chaque l'Église a fait. Les comptes tout ça que chaque ange de l'Église compte tout ça que chaque a fait. Il dit, moi connais tout ça a fait. Et puis il dit, moi connais tout le monde comprend nous vivants, mais ou mourir. Et ça veut dire, mes bien-aimés, l'église là, j'aurais dit, nous avons pile l'église qui travaille en apparence. Tout comme nous avons pile chrétien qui a servi bon Dieu en apparence. Et au fond, il a montré que il a zélé, son apparence de vie, son apparence de zèle pour l'évangile. Mais en apparence d'adoration, en apparence de vie pieuse. Vous comprenez, en apparence que il aurait aimé bon Dieu, mais tout ça c'est en apparence. Mais au fond, il a fonctionné en dehors de volonté bon Dieu, en dehors de parole bon Dieu. Amen. Pastor Carl. Oui. Pastor, très fort dans la gomoli. Les bails l'église ça on phrase qui très très funny. Il dit quand que l'église ça c'est sad you see and far you see. C'est ça l'idée avec sad you see. Les sad you see and les far you see quelque sad you see avec pharisien. Les sad you see and far you see. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. En apparence, vrai, c'est bien dit. C'est bien dit, effectivement, l'homme garde en apparence, c'est ça, des mondes qui, c'est apparence de piété, vivent avec une apparence de zèle, ils ont apparence de vie pieuse, ont apparence de zélé pour l'évangile, pour respecter la loi, ou comprendre, c'est eux-mêmes qui religieux, parce que tout religieux. Donc, c'est ça. Donc, et au fond, eh bien, c'est pas vrai. Regardez pour en grande partie mes bien-aimés, membres de l'église, c'est vrai, ils étaient des chrétiens de nom. En grande partie, chrétiens de l'église de Sardio, eh bien, c'était des chrétiens de nom. Amen. Ils étaient des chrétiens de nom, mais spirituellement, ils étaient morts. Et ils ont vivre dans le péché. Et ça que fait le Seigneur dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort.
Tout le monde prend pour vivant, mais on moun mouri. Tout comme je dis, ya, bon paquet l'église, c'est de nom que vous existez. Mais c'est bon l'église qui mourit spirituellement. Bon bon chrétien, je dis, là, c'est de nom que vous les chrétiens. Et vous connaissez, vous n'avez pas rien à ouer à chrétiens. Vous connaissez, vous n'avez pas rien à ouer à chrétiens. Et ça fait tout, vous n'avez pas qu'à faire tout le bagaille. Parce que vous connaissez pertinemment. Vous connaissez pertinemment, c'est de nom que vous chrétien. Mais spirituellement, vous connaissez pas rien. Et ça fait, vous pas qu'à joindre dans une série de prières. Vous pas qu'à mander pour vous foncer de prières tout. Ni vous pas qu'à prier tout pour vous faire de monde tout. Amen. Côté bac à voler, côté monde possédé, vous connaissez pas qu'à là. Parce qu'il y a pour honte. Il y a pas vili. En pasteur, premier signe où allons l'église. Pasteur, premier signe où allons l'église. De la paupérée, j'en dis la paupérée. Premier signe où est la mamie, mamie mal élevée. Très, très mal élevée. Très mal élevée. Très mal élevée et très susceptible. Susceptible. Mal élevée. Mal élevée, susceptible, colérique. Colérique. Premier signe. Premier signe. Donc, pour comprendre, pour connaître exactement à qui est-ce qu'on a fait. Donc, c'est là. Le Seigneur nous dit, je connais, non? Donc, sans l'église, chrétien, c'était des chrétiens de nom, mais spirituellement, ils ont mouru. Parce que ils ont vivre, n'a péché, mes bien-aimés. Et où est là, Jésus-Christ prononçait, même parole ça, le débat Éphèse là, je connais non, donc son verdict qui vient tomber là. Son verdict, comme nous disons, c'est format, structure là, toujours été même. Il fait nous présenter et puis il fait évaluation. Donc là, si nous regardons, il dit, je connais non, je connais ça n'a fait. Tout le monde comprend nous vivants, mais c'est mon mort que nous y est. Et le regarde littéralement, au tab dit là, l'église là, il était gagné, il a très bonne réputation. Tout comme je dis, il y a un paquet de l'église qui est très populaire. Il a gagné un pile monde, et il est très populaire, tout le monde a couru derrière yo. Mais au fond, il n'a pas mérité réputation ça. Au fond, popularité où il a gagné, il n'a pas supposé gagner. Si mon te prend un petit temps pour te font ti gratter, pour te font ti lever, te font ti soulever drap blanc, il pas d'ab gen réputation ça. Et je dis à qui l'église ouais qui populaire qui vraiment a mené tout pour n'a marché derrière, yo y a couru et bien son petit temps pour t'apprendre pour ta lever drap et pour ta étonner. Yo paraît bien organisé. Yo paraît pas troublé. Yo paraît pas gain aucune perturbation. Mais au fond, désordre. L'église de Sadva, pas bien ça yo. Il semble que yo l'église qui était bien organisée. Yo pas troublé par aucune persécution. Yo pas perturbé par juif yo. Yo pas gain aucun problème persécuteur païen. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de aucun faux enseignant. Mais bien aimé, ça, très important. Il n'y a pas de aucun hérétique qui t'a travaillé dans le temps. Il n'y a pas de aucun hérésie qui t'a circulé dans le temps. Comprenez bien? Aspect ça, très important pour nous rester sous lit. Pour ne pas comprendre, c'est lorsque il y a faux enseignement seulement que l'église a fait noir. Je ne dois pas gagner faux enseignement. Je dois gagner l'autre forme de paganisme. L'église de ça n'a pas de problème faux enseignement, non? Pas de hérésie, non, dans le temps. Contrairement à l'autre église, non? Il n'y a pas de faire face à Balaam, non? Il n'y a pas de faire face à aucun doctrine Nicolaïte. Il n'y a pas de faire face à aucun faux enseignement Jézabel. L'église, si nous sommes capables de dire que l'église de Sade, c'est l'église qui était très paisible comparativement à l'autre. Mais,
Pendant que on l'église paisible là, nous capable dire c'était yon la paix de du cimetière. C'est pas ton paix, la paix de Dieu, c'est ton la paix du cimetière, c'est ton paix de mort. Est-ce que tu peux bon Dieu avec là? Amen, amen. C'était une paix cimetière, mes bien-aimés. Donc, le Seigneur, ça pour comprendre aujourd'hui, hein, le Seigneur n'est pas jugé selon apparence. Amen. Est-ce que tu peux bon Dieu avec là? Amen. Si vous comprenez en apparence, vous pouvez servir bon Dieu, nous devons s'en toucher. Si vous comprenez en fait, oui. Ou pour le servir bon Dieu, ou d'où ça, ou tout chiré. Parce que bon Dieu pas fonctionner sous apparence. Si c'est pour apparence, ou pour le comprendre, ou qu'a pété bon Dieu, ou déjà deuxième. Bon Dieu pas prendre aucune fête de corps. Il y aurait les sa fête de corps. Ou a fait y cadencer sous l'éternel, ou pas faire cadencer sous l'éternel. Comme si ou a fait y esquiver, ou a bail l'éternel qui fête de corps. Ou a fait apparence que ou a comporté ou bien. Non, l'éternel va garder apparence. Si c'est pour apparence, ou mette dormi l'église là même, 24 sur 24. Mm-hmm. Si c'est soit apparence ou le servir, bon, ou mette dormi l'église là. Al garder dans 1 Samuel 16, verset 7, ou a qui côté l'éternel va garder. Parlant 1 Samuel 16, le verset 7, ou a qui ça qui est important pour l'éternel. Si on fonctionne en apparence, à regarder pour vous. Dans 1 Samuel 7, 7, qui ça l'éternel d'eau. 1 Samuel 16, verset 7. 16, verset 7. Ça le dit? Samuel 16, verset 7, qui ça le dit? Amen. Amen. Samuel 16, 7, ça le dit? L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté, l'Éternel ne considérait pas ce que l'homme considérait. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, parole du Seigneur. Amen, merci Seigneur. Mais, grand maître l'a dit, hallelujah. Mais, grand maître l'a dit, pas garder sous belle apparence li, ni sous belle route li, parce que moi mettez sous côté, hallelujah. Moi pas juger valeur du monde, j'en les hommes fell. Les hommes gardent sur ça qui paraît devant Dieu. Mais moi-même, moi gardé ça qui n'a que moun. Amen. Amen, bon Dieu à vous. Amen. Moi gardé ça qui n'a que moun. Amen. Yes. Sou comprendre sou apparence, ou pas le servir bon Dieu, et bon pas la dan. Donc c'est ça que fait mes bien-aimés. Apparemment, l'église de Satan a fonctionné bien. Mais yo te blie un bagaille. Je t'ai oublié que ce n'est pas ça qui est important pour l'éternel, c'est en dedans. Sous dehors, je t'ai paru en forme. Mais je pensais à dehors, je t'ai trompé l'éternel. Pendant ce temps, en dedans, je n'ai pas de bon. Et c'est une raison qui fait, mes bien-aimés, verdict l'éternel contre l'église de Sade, et bien, c'est plus grave. C'est plus gros verdict que tu es capable de prononcer contre l'église. Parole était très fort, parole que li bay la yo. Terme utilisé était ouf lan. Mais, li fait nan yon
objectif pour faire qui ça? Le fait un objectif pour dégager l'église là de propre complaisance, comme si l'Éternel l'élevait se retirer dans une position, l'élevait retirer nos péchés, l'élevait retirer nos saletés, nous obliger à agir avec force envers eux. Parce que, en pile fois, nous sentons à l'aise. Nous sentons bien là, nous chita dans l'église qui mourit. Nous confortables. Nous entrons dans une sorte de complaisance. Et c'est complaisance ça même qui conduit nous, qui mène nous, et dans sa nouvelle mort spirituelle ça. C'est parce que nous sentons bien. Nous tolérons nos côtés là, et puis nous prenons libre. Nous étions là, pas de problème, nous n'avons aucun effort à faire, bon, c'est pas grave, nous à l'aise, nous sentons complets nous. Nous pas grandi. Nous étions là dans l'état GIA, nous étions cocobés, nous handicapés, nous tournons des disables spirituels, et puis nous allons nous chita là. Nous sommes handicapés, nous et puis nous étions là nous à l'aise. Nous sentons bien. Parce que nous n'avons pas aucun effort. Nous sentons à l'aise. Et puis, nous n'avons pas avancé dans la mort. Nous n'avons pas avancé dans le cimetière. Donc, c'est ça, mes bien-aimés. Je dis à la campagne là. Semaine prochaine, on va continuer avec l'être là. Mais pour aujourd'hui, on va camper là. Donc, raison verdict là, les tranchants. Raison verdict tranchant ça, eh bien, l'Éternel baille pour qui ça? Parce que l'idiot. Je n'ai pas trouvé tes œuvres remplies devant mon Dieu. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. Mais c'est ça qui fait les tranchants comme ça. C'est ça qui fait les durs avec eux comme ça. Parce que, mais bien aimé, ça pour nous comprendre, ça l'Éternel ban nous. Travail, il ban nous fait. L'a évalué nous très sévèrement. Le jour où nous avons gagné, moi-même, avant pour nous évaluer, il a évalué nous très dur. Il n'a pas fait nous cadeau. Pas de cadeau, il n'a pas fait personne. L'Éternel ne va pas faire personne cadeau. Pas de roule, personne ne va le prendre. Pas de mouette qu'on est, pas de mouette qu'on fait. Pas de excuse. D'ailleurs, nous, ouais, là, nous, ouais, verdict, là, dans l'être qu'on avait étudié, là, nous, ouais, comment l'Éternel avait évalué. Donc, l'Église n'est pas réprimandée pour ne pas être devenue parfaite et sans péché. Mais, parce qu'elle a produit des œuvres qui étaient comme des coquilles vides. C'est parce que vous faites des bagailles qui ne comptent pas en rien pour mon Dieu. Tout comme je dis à mon équipe, l'église qui font pas qu'être activité, mais c'est des activités la chair que vous avez. C'est pas des activités que l'Éternel prend aucune gloire là-dedans. C'est des bagailles qui a fait rien pour faire mon plaisir, rien pour faire mon plaisir, pour tirer le même profit pour tête pas yo. C'est pas mon Dieu qui a pris gloire là-dedans. C'est des activités qui vident. C'est des activités purement charnelles qui n'ont pas rien à ouais à travail, bon Dieu. C'est des activités purement commerciales qui sont réglées. Et ça que verdict l'a dit. Verdict l'a dit. Mais c'est verdict, c'est évaluation, c'est bilan. C'est pas personne qui fait, c'est pas personne qui. Pas de raquette là-dedans, pas de rien passé en battable, pas de corruption, pas de magouille là-dedans. Sauf que c'est loué. Amen. 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 Donc, mes bien-aimés, nous avons campé là pour aujourd'hui. Oh, God. Il y a des questions, nous avons des questions. Donc, semaine prochaine, nous allons retourner pour nous continuer avec l'État qui est extrêmement important. Et j'aimerais dire non. Gardez-vous, rentrez là-dedans à partir avec étude personnelle nous, continuez le travail là, continuez la caille nous, continuez pour compte nous, méditez sous parole, méditez sous chaque verset, sous chaque parole,
repasser tout le bagaille pour nous capables de pénétrer, pour nous capables de saisir, parce que c'est l'église Jodia, ça c'est l'église typique. Et là, nous comprenons l'être ça, et nous comprenons la réalité que nous vivons Jodia. Nous comprenons très bien la réalité que nous vivons Jodia. Parce que tout ça qui dit déjà, tout ça qui vous faites, vous faites déjà. Tout ça que vous dites, vous dites déjà. Tout ça que vous dites, dit déjà. Donc, c'est ça qui arrive. Verdict à prononcer. Donc, les dix mecs qui m'ont nié et les fait évaluation. Merci, Seigneur. Amen. Donc, bilan fait, c'est verdict, nous dit lui. Donc, nous allons continuer à bilan semaine prochaine. Même si bilan fait peur, mais c'est bilan l'église là. C'est ça lié. Ça, l'éternel, ouais, c'est ça le dit. Ça, le la caïwa, c'est ça l'a dit. Il n'y a pas de disal ba ouè. Donc, si pas de question, on a campé là. Si pas de question, c'est que tout le monde à l'aise, tout le monde comprend très bien ce qui dit dans lettre à l'église de Sade pour nous commencer avec lui, puisque on a continué ces semaines prochaines avec lui. Merci Seigneur. Nous bénissons Seigneur, nous exaltons, nous disons, mon Dieu, merci parce qu'elle te permet nous Amen. Amen. Pas de question. Encore une fois, Nabdil. Ok. Parfait. Tout le monde ok. Donc, Nabdil, mes bien-aimés, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Nous bénissons Seigneur et nous disons merci pour l'opportunité que tu as nous. Nous sommes capables de répondre présent pour nous être capables d'étudier la parole. Afin que nous sommes capables de bénir par parole ça et par étude ça. Et nous avons demandé bon Dieu pour être capable d'aider nous, pour nous mettre en pratique, afin que nous ne pas péchions contre lui-même. Nous attendons demain matin 6h pour l'aurore en prière. À nous disposer que nous, pendant que nous avons demandé Sœur Mirta pour lui prier pour nous, et nous retourner pour nous bénir. Merci Seigneur. Alléluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, pour fidélité envers nous. Nous nous thank you, Seigneur Jésus, Papa, parce que vous t'es pris en direction et tu dis ça, Seigneur, qui t'es entré direct l'envoi, nous, Seigneur. Et nous réaliser, Seigneur, éternel, Lord, nous sommes bons bergers. Alléluia, ou pas là pour condamner nous. Lord, montrez-nous, éternel, Lord, faiblesse, nous, erreur, nous, mystique, nous, péché, nous. Bagage secret que ou même seul connaît. Ou dit nous, éternel Lord, clair, sanguin, éternel Lord, ou brutal avec nous, fait nous, ouais. Mais Seigneur, et pas parce que vous raillez nous. Mon voulez, éternel, que nous tous sauvés pour nous marcher, éternel Lord, dans la lumière, éternel Lord, pour nous repentir, Seigneur. Parce que Seigneur, tout ça, alors, puis montrer nos faiblesses, nous, bah, nos exhortations. Ou dit nous, mais qui chemin a tombé, Seigneur, éternel Lord. Vous bannons, éternel Lord, alléluia. Si nous tournons, nous repentis, mais ça, c'est pour nous. Seigneur Jésus, nous, et tout ça, au dit là, nous, et tout dans l'église, nous, tout dans nous-mêmes, Seigneur, premièrement, Seigneur. Ou fait nous, l'éternel clair, pour ne pas ouais, ça clanche l'autre, mais pour nous, éternel, analyser tête par nous tous. Éternel Lord, pour nous, ouais, propre faiblesse par nous, Seigneur, parce que en bon, ben, en révélation, ou révéler nous-mêmes, selon état d'âme nous tous, selon péché nous, Seigneur. Parce qu'on voulait nous tous sauver. Parce qu'on son bon papa. Ou bien promesse l'envie nous pour accomplir. Ou bien qu'on voulait avec nous. Ou là avec nous.
ou gain éternel Lord, alléluia, gifle nous-mêmes qui doit éternel Lord, alléluia, excelle Seigneur pour nos bons chrétiens. Mais éternel Lord, nous avons certains blocages, nous avons certains barricades dans nous-mêmes, Seigneur, dans l'esprit, dans l'âme, nous, Seigneur, qui imposait nous, éternel Lord, d'aller de l'avant. Tout le temps, Seigneur, n'a pas repenti, et puis nous tournons, éternel Lord, alléluia, comme un labyrinthe. Tourner encore dans repenti dans même péché yo ça vient tout nous iniquité pour nous qui fait éternel Lord côté nous voulons atteindre pas capable Seigneur éternel Lord nous rachiter nous stagnant Seigneur nous pas capable arriver Seigneur thank you pour étude ça Seigneur éternel Lord nous garder éternel Lord Jean fidèle mais tout temps Seigneur c'est nous qui mettez éternel Lord alléluia tout éternel Lord n'a mettez éternel Lord tâche éternel Lord l'enrade nous Seigneur éternel Lord Seigneur, assoyons-nous tout à réfléchir, nous entrer dans nous-mêmes, Seigneur. Nous, éternel Lord, j'ai amour, fidélité au grand, Seigneur Jésus. Et nous nous thank you, éternel Lord, alléluia, pour étudier ça, Seigneur. Que éternel Lord, nous te fait pasteur, mettez le cœur, nous, Seigneur, pour nous, pour Dieu nous éclairer, pour nous, être à l'église, nous, côté de marcher, côté de mettre pied, nous, Seigneur, et pour nous, être à pas, nous, être dans la caille, nous, être à l'esprit, nous, être à Alléluia, nomme nous tous, Seigneur éternel Lord, alléluia, qui l'a mis tant, Seigneur éternel Lord, alléluia, qui fait éternel Lord, sometime nous dans l'esprit, sometime nous dans la chair, sometime éternel Lord, nous quand nous montons pour le labyrinthe, nous bacab éternel Lord, alléluia. Retirez-nous, Seigneur, nos certains comportements, tout le temps nous sommes bonnes récidivistes, Seigneur Jésus, là nous faisons pas en avant, nous faisons deux pas en arrière. Seigneur, nous nous merci, Seigneur, pour pasteur qui fait étude ça avec nous, qui bat nos bagages à clair, éternel Lord, sans cacher, Seigneur. Et nous nous merci, bénis-les, Seigneur, éternel Lord. Que c'est cet esprit seul qui dirigeait, vérité ça, c'est cet esprit seul qui a révélé au Seigneur. Éternel Lord, même le Seigneur, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la caille, nous, mais le fait est de le toucher, nous tous, Seigneur, éternel Lord. Thank you, Seigneur, éternel Lord, pour rappel ça, au Seigneur, pour étudier, tête nous, Seigneur, pour aller de l'avant, parce que, Seigneur, j'en ai à nous connaître, éternel Lord, que nous gagnons fort pour nous faire des bagailles, nous devons déshabiller, nous retirer dans nous-mêmes, pour éternel Lord, pour nous gagner blanc, pur, parce qu'on relève nous dire, éternel Lord. Soyez saints car je suis saint, Seigneur, éternel Lord, nous te merci. Merci, Seigneur, merci, éternel Lord, alléluia. Pour Chanel, ça qu'on ouvre pour nous, pour analyser nous, Seigneur. Éternel Lord, il y a des choses que nous faisons, Seigneur, nous voulons sortir là-dedans, Seigneur. Nous battons quand on a un papillon qui veut sortir dans le cocon pour nous exploser, Seigneur. Alléluia. Pour tout gift, pour tout éternel Lord, ministry, tout bagaille que nous-mêmes, Seigneur, éternel Lord, pour nous marcher droit. Éternel, nous nous thank you, Seigneur, pour étude, enseignement, Seigneur, éternel, Lord, nous nous thank you. Nous pas gain l'argent pour nous payer bagage ça, Seigneur. Nous, c'est eux-mêmes, c'est grâce au éternel, Lord, qui conduit nous tous, Seigneur, sur une table ronde, Seigneur, pour analyser situation, pour analyser faiblesse, manquement, éternel, Lord. Nous nous merci, merci, merci. Nous nous merci pour tout le monde qui attend, Seigneur, éternel, Lord, pour aller de l'avant, Seigneur. Thank you, Seigneur. Son grâce, éternel, Lord. Son grâce, Seigneur. Thank you. Thank you. Il y a un pile qui n'a pas gagné. Mais, éternel Lord, thank you pour faveur, pour privilège ça. Qu'on bat nous pour chaque samedi, pour une chita, Seigneur, pour analyser. Éternel Lord, parce qu'on remet nous, Seigneur. Avant tout, on a un spirit of excellence, seven spirit of God, ou qu'on voulait nous gagner. Merci, Seigneur. Nous n'avons pas l'autre mot encore pour nous. Merci. Merci, Seigneur. Non, non, Jésus-Christ, pitié tout, Seigneur. Qui vous présente, Seigneur éternel Lord, l'esprit d'excellence. Merci, merci Jésus, merci Papa. Thank you, Lord. Non, non, Jésus-Christ, petit tout qui vient, qui est au siècle des siècles. Thank you, Seigneur Jésus. Thank you, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. En nous disposer que nous. Alléluia. Pour nous recevoir bénédiction. Merci, Seigneur. Que l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous bénisse. À présent, que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et la douce communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais.
Amen. Thank you, Lord. Alléluia. Merci, Seigneur. Shalom. Shalom. Passons agréable fin de soirée, mes bien-aimés. Shalom. Merci. Mon Dieu bénis-nous. Mon Dieu bénis-nous. Bonne nuit. Bon Dieu bénis. On se remet à. Et c'est avec la paix de Dieu, mes bien-aimés. Je viens.